L'on pourrait presque exulter et, dans un doux euphémisme, se féliciter après la notification du rapport 2016 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse au Cameroun. Rapport classant le Cameroun au 126e rang sur 150 pays listés avec un score de 40,53. Mais ce rapport de plus suscite des questionnements. S'il convient d'observer que ce rapport, comme les précédents, entre dans la pratique traditionnelle des organisations à vocation internationale, la levée des boucliers qu'ils suscitent auprès de l'établishment lorsqu'ils sont accablants ne laisserait pas indifférent l'observateur avisé. Complot ourdi pour déstabiliser le régime de Yaoundé. Tous les vocables sont péjoratifs lorsque ces rapports ne font pas l'apologie du régime. Or, accablant ou pas, vrai ou faux, ces avalanches de rapports sont des indicateurs à prendre au sérieux. Les démentis du gouvernement sont certes utiles et nécessaires pour éviter la confusion, mais une introspection s'impose au-delà de tout. En effet, depuis septembre 2015, une série de rapports tombe sur le Cameroun. Ils concernent la situation sécuritaire, les droits de l'homme, la démocratie et bien d'autres domaines de la vie publique. Une saison des rapports accablants, comme on l'appelle trivialement, qui gagne en intensité, sans doute depuis 2004, date de lancement de l'opération Épervier, considérée pour beaucoup comme une opération d'épuration politique. Cette opération d'assainissement de la morale publique, dont ses dérapages n'a cessé d'attirer l'attention des ONG, commandité ou pas. Le régime de gérontocrate au pouvoir gagnerait donc aussi à faire respecter les principes qu'impose un régime de démocratie, d'une part, et les prescriptions contenues dans le corpus législatif d'autre part, pour échapper à la furie des ONG, auteurs des brûlots qui donnent des insomnies au sérail. S'il y a des avancées, les pesanteurs dans ce sens persistent, donnant toujours matière à la rédaction d'un rapport.